Double 1-2, double 1-2. Deux fois. Je suis Geoffrey, je suis le support technique sur notre prochaine ligne de production de plastique recyclé. Et je suis Fabien, responsable de production de polypropylène qu'on peut recycler. Notre projet, c'est de construire une nouvelle ligne de production de plastique recyclé dédiée à la fabrication des pièces automobiles. L'industrie automobile est très exigeante sur la qualité de leurs produits. L'enjeu pour nous est de produire un plastique recyclé ayant la même qualité qu'un plastique vierge. En plus, on répond à un double enjeu pour nos clients. On incorpore des matériaux recyclés dans leurs véhicules. Le fait d'incorporer ces matériaux recyclés diminue le poids des véhicules, ce qui fait qu'on contribue à leur diminution de CO2. Le centre de recherche a commencé à travailler les formulations, puis on est venu étudier la faisabilité de la construction sur le site de Carlin. Donc à peu près 5 ans de travail pour débuter la construction. C'est un travail d'équipe. On a notre laboratoire de recherche à Feluc qui nous aide dans le développement des formulations. On s'appuie sur les connaissances de l'usine de Sinova pour le traitement de notre matière recyclée et nous produisons à Carlin. Globalement, c'est une 50aine de personnes. Ça va réduire les consommations de pétrole, la création d'une économie circulaire, parce que nous allons utiliser les déchets ménagers et les déchets issus des vieilles voitures. Cela va permettre aussi de réduire le CO2 et de proposer une gamme de produits aux constructeurs automobiles. Cette gamme pourra contenir de 40 à 100% de plastique recyclé. Ça, c'est le genre de déchets que nos partenaires reçoivent. Ces déchets seront broyés et lavés. Et nous, on reçoit ça. C'est là que la chimie intervient. Nous avons différents profils de température sur nos machines, des vides plus poussés, des filtrations mécaniques. Cela permet de purifier le plastique recyclé afin d'obtenir un plastique recyclé avec les mêmes propriétés qu'un plastique vierge. Le projet est validé, la ligne est en construction. On démarre d'ici septembre 2024 et on a pour objectif de produire 15 000 tonnes par an de polypropylène Campion. Recyclage. Transformation. Si, on fait un Shifumi ou un Fushimi. Un Shimifu. Recyclage.